président, et je veux particulièrement saluer la candidature d'Edith parce que moi j'y crois. Dans le Charolais, un peu Edith. J'ai l'habitude de dire dans mes réunions publiques de campagne que je suis une candidate atypique, de par mes origines et mon parcours. Je suis une femme normale. J'ai eu une vie de salariée normale. Comme des millions de femmes modestes, j'ai commencé à travailler à 16 ans, en apprentissage, comme préparatrice en pharmacie. J'ai exercé ce métier pendant 42 ans, dans la même officine, au contact de personnes de tout milieu, de toutes conditions, et qui, assez souvent, m'ont fait l'amitié de partager avec moi leurs soucis, leurs difficultés, leurs joies. Et ce métier m'a beaucoup appris. Je sais d'où je viens. Je viens d'une famille où l'engagement citoyen était chose normale. Mon père était ouvrier et engagé dans le syndicalisme. Ma mère fut à l'origine de la FCPE et c'est tout naturellement que j'ai dit oui à Roger Luquet, l'ancien maire de Bourbon-Lancy, lorsqu'il est venu me demander si je voulais bien figurer sur sa liste municipale. Un peu plus tard, c'est tout naturellement que j'ai répondu oui lorsqu'on m'a demandé de figurer sur la liste du Parti socialiste au régional. Cet engagement politique, après mon engagement citoyen, était à mes yeux normal. Je sais d'où je viens. Je viens d'une circonscription rurale où les militants socialistes m'ont désigné pour être leur candidate aux législatives. Je sais d'où je viens. Je viens de cette deuxième circonscription où tous les hommes élus du PS, qui avaient eux aussi la capacité de se présenter, se sont néanmoins effacés, non devant moi, mais devant la volonté des militants qui m'ont désigné. Tous ces élus auraient fait de bons candidats. Je veux parler de Jacques Robillard et je voudrais qu'on l'applaudisse. Bravo. Je veux parler de Dominique Lotte. Je veux parler de Jean-Paul Drapier. Et là aussi, je veux qu'on l'applaudisse. Et je veux parler aussi de Jean-Claude Lagrange. Didier Mathus. Et bien sûr, je veux parler de mon suppléant, Christian Bonneau. Mes amis, je suis fière et reconnaissante d'avoir été choisie. Moi, députée, je mettrai un point d'honneur à travailler en équipe avec mes collègues, futurs députés ici présents, que je salue et que j'apprécie. Car il y a bien quelque chose à mutualiser, ce sont nos talents respectifs. C'est la coopération de ces députés qui fera la force politique de ce département. Moi, députée, je participerai loyalement à la majorité que vous allez donner au gouvernement et à François Hollande, à l'Assemblée nationale. Avec vous, mes amis, nous allons faire basculer la deuxième circonscription à gauche.